Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'interrupteur de chez Kujik, le Smart Switch, le simple. La référence, c'est KH01CN. On va l'ouvrir ensemble. Donc, je l'ai trouvé au prix de 40 euros, à peu près. Il y a la notice d'installation. Donc, il faut... Bien sûr, il faut la phase et le neutre dans l'interrupteur. Ce n'est pas forcément le cas partout en France. Donc, il y a bien la notice en français. Donc, c'est pour une commande simple, non à va-et-vient. Voilà, comme on le voit, donc il y a bien le fil neutre, la phase. Donc, je ferai une installation en réel dans une prochaine vidéo. Donc, ça a l'air d'être une notice assez simple et assez courte. Donc, il fonctionne en Wi-Fi sur la bande 2,4 GHz. Il fonctionne bien sûr en 230 volts. Il faut donc le neutre, la phase L. L1, c'est le retour à la lampe, et ensuite la lampe revient sur un neutre. Donc on peut commander des ampoules traditionnelles, pas besoin d'avoir des ampoules connectées. Et voilà, il y a, apparemment, il faut juste appuyer sur l'interrupteur pour activer l'ampoule. Et on peut voir également dans l'application la consommation énergétique des ampoules. Voilà pour l'interrupteur.